Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, le vendredi c'est de la balle, c'est le week-end, on approche, on va parler KVK, on va parler duo anti-Zenobi, on va parler très très grosse baston les amis. Mais avant cela, pour ne rater aucune vidéo et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, si vous ne nous avez pas encore rejoint sur le Discord de la chaîne, n'hésitez pas à venir, c'est le premier lien en description de la vidéo. On y parle de tous les jeux auxquels vous jouez et bien plus encore. N'hésitez pas à venir échanger avec moi et avec nous plus largement. Les amis, on va donc se pencher sur différents très très gros KVK, soit qui viennent de commencer, soit qui sont bien avancés. Vous allez le voir, il y a des choses très très intéressantes qui sont en train de se passer un petit peu partout. Mais avant cela, regardons les events. Et comme je vous l'avais prédit, regardez, on a un vide interstellaire au niveau... Je vous trouve Infinite Galaxy. On a un vide vraiment très important. Regardez là, après dimanche, il ne se passe plus rien. Donc forcément, on va avoir le pop de l'attaque des ninjas, des events liés à ça, puisqu'on voit, au plus, il n'y a rien du tout sur mon serveur. Certains d'entre vous, d'ailleurs, s'interrogent car ils n'ont toujours pas eu le roi des cartes alors qu'il est passé sur mon serveur. Normalement, le rythme naturel du roi des cartes, c'est une fois par mois. Si vous ne l'avez pas eu, c'est que Lilith rencontre des difficultés, on le voit avec les pattes, je vais y revenir dans quelques instants. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas pop, mais normalement, c'est une fois par mois, comme le plus que des gemmes, normalement. C'est le premier samedi, tous les 45 jours à peu près. Donc là, normalement, on est un peu plus loin sur le timing. On a plus de 55 jours, donc il devrait pop dimanche cet event. On n'est pas encore sûr, mais normalement, il devrait pop samedi et dimanche. Il devrait durer les deux jours. Donc, c'est très, très possible que ça soit là. Sachant que maintenant, avec le changement de règle du MGE qui dure 6 jours et non 5, ça peut être le pop ait lieu le dimanche, on va bien voir. Pendant que je vous parlais, vous avez vu, on a eu la cérémonie de Karua qui a pop, qui vient d'être rajoutée, donc il commence à compenser le vide, mais ça reste quand même très vide. Si on pouvait avoir un event lié au pop de Ninja Gaiden 3, de l'attaque des ninjas, qui demande de tuer... en plus, qui considérerait que tuer les barbares de Karuak nous donne un bonus encore en plus, une reward en plus, ça serait de la balle. Bon, faut pas rêver, mais ça aurait pu être de la balle si ça avait été ça. Je vous avais dit, je reviendrai sur les patchs. Il faut savoir que pour nous, le patch, l'attaque des ninjas est passé. Mais pour les serveurs chinois, ils galèrent, ils l'ont déjà repoussé 3 fois. Au 16 mars, au 18 mars, à présent au 22 mars. Donc, il n'y a pas que chez nous que ce patch pose des problèmes. Les serveurs chinois, je vous le rappelle, ce sont des serveurs privés auxquels on n'a pas accès, nous, Européens ou même Américains. Seuls les Chinois peuvent avoir accès à ces serveurs-là. Ils ont une appli dédiée, un Rise of Kingdoms dédié qui les amène sur le serveur. Et donc, les devs de Lilith galèrent aussi de ce côté-là. C'est pour ça que ça traîne peut-être aussi pour avancer et qu'on ait un peu plus de communication et d'informations sur ce qui va se passer. On verra bien dans les jours qui viennent, mais normalement, nous, on peut parier que lundi, on a ces events qui vont pop. Excepté ça, le vide intersidéral, certains d'entre vous me demandaient si au niveau de la Ligue Osiris, on l'a vu, hein, hop là, on y retourne, il va y avoir 4 royaumes, 4 divisions, je dirais, le royaume Horus, Anubis, Bastet et Sobek. Est-ce que je vais vous faire les paris sur les 4 divisions? Je vais au maximum tenter de vous le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Horus, Anubis. Et bien évidemment, je vais tenter de vous faire Bastet et Sobek. Je dis je vais tenter parce qu'il faut pour pouvoir faire ça en une seule vidéo, faire tous les paris. Au pire, je vous en ferai ça en 2 vidéos à chaque fois. On va bien voir si j'arrive à avoir un bon timing. Mais il faut avoir le temps de bien analyser les choses car maintenant en plus on a un outil qui va nous permettre d'être vraiment plus fin dans les pronostics. Les amis, sans plus tarder, on va aller voir à présent les KVK dont je vous parlais et vous montrer les quelques screens. Déjà, hop là, on dézoome et on va vérifier que les JWM ne sont toujours pas impériums. Vous le voyez déjà, le 1254 est sorti de nouveau du statut impérium. C'est vraiment en ce moment le jeu préféré de tous les gros serveurs comme le nôtre, hein, c'est ce qu'on fait. On blinde nos hôpitaux pour ne pas devenir Imperium et continuer de recruter en masse. Donc le 1254 est sorti, est-ce que le 1059 des JWM du coup est re-rentré? Non, ils arrivent toujours à rester hors du statut Imperium.
Donc on est bien content en tout cas nous de rester hors du statut tant que les autres ne nous font pas rentrer, genre le 1250. Vous voyez, le temps de slide, le 1254 est repassé, ils ont dû accueillir des migrants dans cette toute petite fenêtre de tir. Donc si vous voulez vous-même aller sur un très gros serveur qui est Imperium, faut regarder très fréquemment dans la journée, il y a des moments où ces serveurs ne sont plus Imperium et c'est ce qui vous permet de rentrer dedans rapidement alors que vous avez plus de 35 millions de puissance. Pour les KVK les amis, on va d'abord s'intéresser à un très très gros KVK qui a un peu plus de 7 jours d'ancienneté hein, et qui est très récent. C'est le 131, ce KVK qui regroupe le 2043, le 2056, le 2059, 60, 70, 72, 74 et 2083. Alors ce sont des serveurs qui sont en deuxième saison de KVK et ce sont des serveurs qui ont des alliances tout de même très puissantes. Donc regardez déjà la disposition. On a le plus puissant, le 2070, le plus puissant sur le papier, attention, qui se trouve en haut à gauche. Le deuxième en bas à droite est le 2060. On va voir quelles sont les alliances par rapport à ce qui se passe sur la map. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Au niveau des, enfin les alliances inter-royaumes, hein, puisque au niveau des puissances des alliances, regardez, je vous montre ce screen qu'on m'a fourni, on le voit, on a le 2060 qui a l'alliance la plus puissante, même si le serveur le plus puissant est normalement le 2070, avec 10 milliards 233 millions de puissance, hein, les Legions of Doom, les LOD, vraiment très grosse alliance, suivie par une alliance du 70, hein, les Codeine Dreams qui ont eux 9 milliards 800 millions, autant dire que c'est la même puissance. Mais si vous regardez bien, derrière, on a encore en 5e et 6e position deux alliances à 8 milliards 150 et 8 milliards 151 millions du 2070. Donc le 2070, très très puissant et a beaucoup de très grosses alliances. Donc à mon avis, ça va vraiment taper très lourd. Allez, on y va tout de suite sur ce KVK et on va voir ce qui s'est passé puisque les portes de niveau 4 ont ouvert hier soir. On va commencer en haut à gauche avec le 2070, hein, le plus puissant. Donc on le voit bien évidemment. Alors est-ce que déjà ça a tapé dur et est-ce qu'ils ont perdu pas mal en puissance? Ils ont chuté pas mal en puissance, hein, 600 millions de pertes, hein, ce qui montre que ça a dû se battre de ouf, ou sinon il y a eu des joueurs qui sont partis dans d'autres alliances. On le voit tout de suite, il y a eu un rush du côté des violets sur le jaune. Est-ce que ça brûle? Ça se bat encore, il y a du monde, donc ça doit être des serveurs avec des plages de couverture H24, hein, puisque là, même si c'est pas du monde de ouf, il y a quand même du monde et ça se bat pour défendre la zone. Donc le jaune veut bien évidemment garder et se préserver d'un accès en Dimbroco. Regardez le bleu, le petit malin, le bleu qui s'est fait bloquer ici forcément par le violet. Je dis forcément, mais ça se trouve c'est son allié, je vérifie. Mais là, il n'y a pas l'air d'avoir de zone de combat. Hein. Je re-regarde, mais non, il n'y a pas de zone de combat. Donc le bleu est allié et le bleu a été se mettre ici dans le coin pour essayer d'attaquer ou pas le jaune. Alors là, le positionnement est assez surprenant. Il ne les laisse pas avancer, d'accord. Donc le bleu est bienvenu pour aider de son côté le violet et essayer de bloquer aussi le jaune. Mais c'est étonnant d'avoir une tenaille comme ça. J'en vois rarement en tout cas. On le voit sur la deuxième porte, les DK-110, le 2070 a commencé à construire une forteresse pour bloquer et verrouiller le jaune chez lui. Le jaune paraît mal barré puisque non seulement il se prend le serveur le plus puissant sur lui, le violet, mais en plus il est allié, le violet est allié au bleu sur ce côté-là, en zone Zarat, du coup il va être totalement enfermé. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est grosses bastons du jaune et le jaune ne se laisse pas faire pour autant. Tiens, on a la ville de Black Cherry qui est en train de brûler, malheureusement, il faut dire qu'il n'est pas sur son territoire, donc c'était prévisible. Grosse déjà, on est que sur la première zone hein, sur ce KVK, très grosse zone de fight, vraiment très intéressant, 2070 en tout cas, ne rigole pas et même les GS43 sont pas là pour faire de la peinture, mais pour le coup je ne comprends pas pourquoi si le bleu est allié, et d'ailleurs je sais que certains d'entre vous sont sur ce KVK, le KVK 131, donc n'hésitez pas à me le dire, pourquoi le bleu s'il est allié au violet, ce qui est le cas, hein, pourquoi n'avance-t-il pas là pour détruire ces drapeaux-là? Et pourquoi il avance seulement au niveau de la porte pour bloquer la porte?
Je suis étonné du fait qu'il avance que sur un flanc. Est-ce qu'il n'a pas la puissance pour contrer le jaune? Pourtant, le violet l'occupe pas mal. Ça sera intéressant pour lui de voir ça. Au niveau de l'autre côté hein, de la zone, la Havane, on le comprend. Le jaune est en alliance avec le orange et ils sont très probablement aussi en alliance avec le vert. Donc, ils sont dans une zone de paix. C'est pour ça qu'ils ne se précipitent pas pour construire sur cette zone. Ils savent qu'ils vont avoir toutes les portes. On continue plus bas, donc le orange, on va regarder l'alliance du orange principal qui tient la forteresse. Est-ce que je veux voir 8 milliards 100. On est que sur la troisième alliance en puissance, hein, en puissance équivalente du violet. Et de l'autre côté, bah, là, il n'y a plus personne qui est là. Si les 0,72, 6 milliards, je pense que l'alliance principale l'a lâché. Mais en tout cas, grosse activité du jaune. Le jaune m'impressionne en tout cas. Hein, si vous êtes dessus, n'hésitez pas à me donner des infos. Assez impressionnant le jaune sur ce côté-là. Au niveau du sud, on regarde hein, dans cette troisième zone, la Sakaka, on le voit, le violet. Est-ce que le violet, c'est du rose ou du violet? Ça a la couleur, et on va dire c'est du rose, mais c'est un rose qui tire sur le violet. Donc, ils l'ont changé d'ailleurs, elle était plus vive que ça avant. Il n'y a pas de zone de combat là, donc on pourrait penser que ce rose, on va dire que c'est rose, hein, on va dire c'est du fuchsia, voilà. Le fuchsia et le rose, allez c'est mieux. Le rose est en alliance avec le vert, donc ça se bat pas. Et est-ce que le cyan, non, ils essayent de le bloquer, donc ça m'étonnerait que le cyan soit en alliance. Alors on va pas simplifier les graphismes, non. Donc le cyan, lui, en revanche, est contre. Donc on a les quatre royaumes qui sont ensemble, le rose, le vert, le orange et le jaune, ils ont de la chance. Ils sont tous ensemble et sur le même côté. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir se préserver totalement en zone Ocurie et totalement sur leur zone de combat. Donc, ils sont plutôt détente. Et tout va jouer donc en zone Macha et surtout en zone Dimbokro. Donc, on va bien voir ça. Ils vont pouvoir... L'avantage, c'est que le rose va pouvoir, du 2060, va pouvoir faire un double jump sans problème. Faire un jump en Ocurie très rapidement à l'ouverture des portes. Et aller en Dimbokro pour affronter le violet et aider ses alliés. De l'autre côté, on a le rouge. Alors, est-ce qu'on est en 5 contre 3 ou est-ce qu'on est en 4 contre 4? Le rouge semble en alliance hein, avec le cyan. Il n'y a pas l'air d'avoir zone de combat et il semble bloquer le bleu. Donc, on serait... Tiens, on a un bleu ciel qui est venu juste là. Donc, on serait sur le coup en 5 contre 3. N'hésitez pas à me le confirmer, hein, mais c'est ce que nous dit la carte. On aurait le rouge, le cyan, le rose, le vert et l'orange. Non, même pas... Jaune, orange, ça fait 2, 3, vert, 4, rose, 5, cyan, 6, le rouge. Et donc, il serait combien en face? Il serait que 2. Donc, on aurait un 6 contre 2. Ça serait vraiment étonnant, mais c'est ce qui semble être le cas. 6 contre 2, c'est très rare en KVK saison 2 d'avoir 6 royaumes contre 2. Ça veut dire que rien n'est fait pour le violet, même si le bleu et le violet semblent puissants. Ils vont être très isolés et ils vont devoir défendre deux zones en même temps. Ça sent pas bon pour eux. Ça va être très intéressant à suivre et très intéressant à voir. Si le violet gagne, si le 2070 gagne ce KVK à 6 contre 2, s'il n'y a pas de retournement de veste, s'il n'y a pas d'accords qui sont passés, le 2070 va forcément devenir un serveur énormissime par la suite. Parce que beaucoup de joueurs récents vont vouloir aller dessus. Ça voudra dire que c'est un serveur vraiment très très prometteur. Ça va être très compliqué, mais on va bien le voir. Il maîtrise sa zone, mais ça va vraiment être très tendu. Il a certes trois grosses alliances à 10 milliards, 8 milliards, 8 milliards, ce qui est très impressionnant. Mais là, avec une seule zone, ça va vraiment être compliqué pour lui. N'hésitez pas, si vous êtes sur ces royaumes-là, à me dire comment ça se passe. J'ai pas mal d'infos. Mais j'en veux bien davantage, c'est toujours intéressant à voir. Ce KVK, le 131 les amis, on va le suivre de très près. La prochaine étape sera l'ouverture des portes de niveau 5 qui ne devrait pas avoir lieu avant au moins une grosse semaine si je ne dis pas de bêtises. Voire même deux, on va bien voir mais on va le suivre de très près. Les amis, on va s'intéresser à un autre KVK et à un fameux duo qu'on est beaucoup, et que vous êtes beaucoup à me poser des questions dessus. Vous voyez, le 1254 est de nouveau sorti du statut Imperium. Il flirte avec la limite. On va s'intéresser au KVK 540, hein, où il y a nos amis des Z415, hein, KVK 540 avec notamment Legend Ronnie. Le 540 qui est à 30 jours, alors c'est un KVK héroïque en thème, bien évidemment, mais on va s'y intéresser. Pour les grosses
baston qu'on a dessus actuellement. Alors, on va aller du côté des Z415, du 415, voilà, ils sont ici, hein, le Z415. S'ils étaient autour des 12 milliards, ils ont peut-être baissé ou monté. Ils sont à 14 milliards, donc ils se sont bien renforcés à présent. Et ils se battent sur deux flancs. Ils se battent donc au sud. Et vous le voyez, hein, ils ont bien avancé sur le sud. Ah non, ils ne se battent pas au sud. C'est à l'est qu'ils se battent, pardon, à l'ouest. Oh non, à l'est. Hein. Oh, je galère ce matin. Ils se battent à l'est et ils ont bloqué leurs adversaires. Et il y a eu des très gros échanges et des très grosses bastons pour la prise du territoire. Et si on regarde les rapports, ils ont fait face à Zenobia. Et regardez donc ce rapport que je voulais vous partager. Il est assez impressionnant et intéressant. Un duo très simple que beaucoup de joueurs peuvent avoir. Hein. Ramsès YSG. Si vous êtes spé archer ou si vous souhaitez vous spé archer, c'est vraiment un rapport très intéressant et un duo très intéressant. Face à Zenobia Martel. Donc vraiment, là, on a deux duos qui sont éponymes, deux duos bien connus des joueurs. Zenobia Martel, Ramsès YSG. On part pas sur quelque chose d'impossible si vous êtes un low spender, puisqu'on n'est pas sur du Zenobia YSS, qui est beaucoup plus difficile à avoir si vous êtes un low spender, ou un Ramsès Nabucodonosor ou Ramsès Sirius. On est sur deux binômes qui sont vraiment accessibles des deux côtés. Ramsès YSG, Zenobia Martel. De chaque côté, on a un commandant très ancien qui était là dès le début du jeu. Et en lead commander, on a des commandants plus récents. Et on le voit, regardez une attaque de Mr. Boo face à Sini. On a 2 millions de troupes envoyées de chaque côté avec des renforts, on le voit au nombre de blessés légers. Et regardez, unité soignée, 89 000, pratiquement 90 000 pour le duo archer, pour l'attaquant, 350 000 bien évidemment du côté de ceux qui sont en défense du bâtiment, du flag. Et le nombre de morts, 801 000 pour Ramsès, 1 261 000 pour Zenobia. Donc évidemment, une grosse défaite du côté de Zenobia, 396 000 blessés graves, 0 du côté bien évidemment de Ramsès, blessés légers, 5 millions 5 du côté de Ramsès, 10 millions 147 du côté de Zenobia et les restants 2 millions d'un côté, ça a bien renforcé, 376 000 de l'autre, ça a pris cher du côté de la défense. Donc ce qu'on peut voir sur ce rapport, c'est que bien évidemment, le duo archer Ramsès YSG est plus puissant et arrive à battre une défense avec Zenobia. Alors, ça dépend du stuff et ça dépend d'autres facteurs. Mais en tout cas, linéairement et à stuff équivalent, ce duo va le battre. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a tout de même un petit bémol à prendre en considération. C'est que sur ce duo-là, contrairement à Attila Takeda, si, qui ne battrait pas hein, Zenobia bien évidemment, si vous attaquez sans avoir de renfort en open field, votre duo Ramsès YSG va se faire swarmer et va se faire défoncer. Donc pour attaquer avec ce type de duo, il faut vraiment avoir beaucoup de renfort au sol en open field pour faire le ménage et éviter justement que votre allié se fasse swarm, car si vous vous faites swarm, vous allez clairement vous faire péter la bouche. Et si vous pouvez autour de ça avoir des buffers type Mulan par exemple, c'est encore mieux. Mais là en tout cas, on le voit, une bonne attaque archer Ramsès YSG, ça fait le taf face à du Zenobia. Donc si vous cherchez un duo à monter qui sera fragile, bien évidemment plus fragile encore une fois car swarmable, qu'un duo plus classique Attila Takeda, vous avez ce duo Ramsès YSG qui battra une défense très classique et très utilisée, Zenobia Martel. Ça fait le job et ça vous permettra de renverser certains bâtiments. Merci à Killer pour ce rapport et merci au Z415 plus largement pour ce et ces rapports car ils m'en ont envoyé, j'en ai récupéré beaucoup. Écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo et pour ces KVK. J'espère qu'elle vous aura plu. On le voit là de nouveau, le 1254 n'est toujours pas repassé Imperium. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas comme d'habitude les amis, comme d'habitude à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis,
et je vous dis à plus sur Rock.